Dieu soit loué. Amen. Vous êtes très heureux. Hein? Amen. Quelques mots seulement. Amen. Parce qu'ils ne savaient pas que je devais apporter quelque chose. Les frères ont demandé que je dise un mot. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, je n'en suis même pas capable. Mais je vais dire quand même un mot sur ce que je pense. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'abord, je vous apporte les salutations de notre frère Israël. Amen. De Montréal. Amen. Je vous salue. Alléluia. Le frère Manassé, à vous salue également. Amen. Nous sommes en communion avec les bien-aimés frères dans le monde entier. Amen. Et que Dieu nous donne, fasse la grâce. La grâce est un don, c'est une faveur imméritée. Amen. Quand on parle de grâce, ça veut dire que c'est un don cadeau. Amen. Il dit comme ça, c'est un cadeau gratuit. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Elle dit, on ne mérite rien. Et ce que nous méritons, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Ce matin, quand j'ai écouté ce message depuis la maison, je ne dis pas j'étais, mais je suis encore en train de me demander si je mérite ce que Dieu a fait pour moi. Qui comprend ce que vous avez dit? Qui comprend bien? Amen. Dieu nous a tout pardonné. Amen. Mais il est très difficile de pardonner à nous tous. Très difficile. Je voudrais que nous soyons des réalistes. Il est 30. Je vais prendre peut-être 30 minutes. Ou 40 minutes, c'est tout. Parce que l'heure est à la réflexion. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Chacun doit réfléchir, voir pourquoi moi je ne suis pas capable de pardonner. Oh, moi j'ai un problème. C'est parce que vous avez vous. Je me regarde moi-même d'abord. Parce que le pardon est une puissance qui libère la personne qui pardonne. Et ce beau message ne doit pas rester dans notre bouche ou dans nos téléphones ou dans nos carnets, mais qui passe de la théorie à la pratique. Amen. Qui veut cela? Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Et Dieu nous a préservés du jugement, donc nous sommes tranquilles. Nous ne pouvons pas juger et condamner. Mais nous-mêmes, nous devons chercher à demander la grâce de Dieu afin que nous puissions être capables de pardonner. Amen. C'est un problème que nous avons. Prenons Marc chapitre 11, à partir du verset 20. Marc 11, 20. Oui, Mathias, viens avec moi. Hein. Je ne sais pas si je ne suis pas trompé, mais. Marc 11, à partir du verset 20. Je vais vous dire quel est le contenu que j'ai compris moi.
Ça, dans mon petit but, c'est la puissance de la foi. Mais la foi ne peut pas s'exercer si on ne pardonne pas. Qui comprend cela? Tu vas prier. Si tu n'es pas capable de pardonner, tu ne vas pas obtenir ce que tu veux. Et dans les prières, je crois que c'est frère Benjamin, il a dit que, non, c'est lui ou bien c'est les deux qui ont prié, l'un a dit que la foi doit aboutir à la réconciliation. Amen. Qui a entendu cela? Amen. Non, je veux voir. Qui a entendu cela? Amen. Moi, je suis pratique, je n'ai pas d'héroïne. Je suis un enseignant du primaire. C'est important. On peut écouter ces beaux messages, mais que Dieu nous donne l'humilité intérieure qui pourra nous permettre de pardonner et de nous embrasser. Je n'ai pas encore ça. Mais ma prière, je pleure. Parce que si on n'arrive pas là, on sera déçu un jour. C'est ça, frère. Pendant que nous sommes ici, il y a une église qui est à côté. Restons pratiques. Que Dieu nous aide. Et celui qui veut t'aider, Dieu l'aide. Qui veut t'aider? Que Dieu nous aide. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Moi, je crois que je demande la grâce de Dieu afin qu'il puisse pardonner, embrasser vraiment et oublier. Amen. Merci Seigneur. Oh, c'est important. Quand le frère a dit que sans condition, on peut le dire de la bouche. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas facile. Et je crois que ce n'est pas long, nous devons passer le temps dans la prière. Vous savez, on peut écouter tous les messages. Mais si le pardon n'est pas réel, il n'est pas produit par Dieu dans notre cœur, nous perdons le temps. La puissance de la foi ne peut pas exercer si on ne peut pas pardonner. Vous connaissez l'histoire des deux débiteurs, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ici, dans Marc 11, vous allez voir ce que le Seigneur a dit. Allons-y, mon frère. Et si, Marc. Si je tarde, on fait à 36, ça fait donc 4 minutes. D'accord. Comptez-le. Merci. Je ne vais pas donner ici longtemps. Allons-y. Marc 11, à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Vous voyez, Pierre est étonné. Mais nous tous, moi aussi. Parce que nous ne sommes pas capables de mettre en pratique la parole de Dieu. Et alors, nous échouons. On peut connaître tous les messages, connaître toutes les brochures du frère Branham, connaître toutes les prédications du frère Franck Parker. Les figurines sont sur... comment on appelle ça? Sur l'internet. Hein? Sur quoi? Non, mais c'est sonorisé. Oui. Et vous savez ça? Ouais, audio. Qui c'est ça? Vous ne savez pas. C'est sonorisé. Tout ça, c'est bon. Mais si ça ne produit pas en nous l'amour capable de pardonner, nous perdons le temps. C'est ça qui fait mal et je pleure. Hein. Moi, j'ai un certain âge. Je ne veux pas perdre le temps à être un messagiste. Mais je veux que Dieu me transforme. Qu'il puisse pardonner comme il demande. Amen. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Hein. Nous continuons d'accumuler les rancunes. Les foyers sont divisés. Dans un même endroit, il y a deux églises.
Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que Dieu nous donne la capacité de pardonner, de réconciliation. Amen. Qui veut cela? Amen. En tout cas, moi, je pleure, je ne voulais pas, je suis caché là-bas. Le frère est allé me voir et dit, donc, c'est important pour moi. J'écoute tous les... Pas tout, mais la plupart des messages, frère, frère. À la maison, j'écoute, j'ai écouté Ésaïe 58. Moi, je connais ces passages. Mais quand j'ai réécouté, notre jeûne n'a pas de valeur si on ne peut pas pardonner. Ça devient un jeûne d'une religion où les gens sont en train de jeûner et puis ils cassent la gueule aux autres. Nous sommes ici pour être bénis. Hein? Amen. Qui est ici pour autre chose? Qui veut être béni? Amen. Être béni et être enlevé. Amen. Mais si on ne peut pas pardonner, on n'a pas cette force-là. Quelqu'un qui t'a insulté, il a fait tout ce qu'il doit faire, mais tu dois lui pardonner tout sans te rappeler ce qu'il a fait de mal. Amen. Voilà le problème. Donc quand on dit amen, amen, moi ça ne me suffit pas. Non, non. Il faut soit capable de pardonner tout ce qu'il m'a fait et puis me réconcilier avec lui. Amen. Je ne peux pas le faire maintenant. Mais il faut que Dieu donne la capacité. Et si nous demandons, Dieu aide ceux qui demandent l'aide. Quels sont ceux qui veulent que Dieu nous aide? C'est mon problème, hein? J'étais caché là, en train de pleurer. Je vous dis la vérité, hein? Depuis la maison. Parce que depuis ces jours-là, le frère Franck ne prêche que aussi l'harmonie, la concordance. Mais comment on a fait ça? Si, regarde, tourne là, regarde là. Voilà. Quelle harmonie on va avoir? Quelle harmonie on va avoir? Ce n'est pas le temps. C'est très bien d'écouter, de dire amen, c'est bien. Mais cet amen-là veut dire que nous sommes d'accord avec ce qui est dit. Amen. Nous ne sommes pas capables de le faire, mais que demandons à Dieu de nous rendre capables. Amen. Parce que nos capacités viennent de Dieu. Amen. Toutes nos capacités viennent de Dieu. Amen. Quand Dieu Pierre dit... Efforcez-vous. Qui peut s'efforcer ici? Levez-vous. Toi, tu peux t'efforcer? Non. Mais il faut désirer le faire. Amen. Qui veut s'efforcer? Efforcez-vous d'aimer. Amen. Quand tu veux l'aimer, il te crache au visage. Tiens. Tu enlèves et dis, ah Seigneur, pardonne-moi. Dieu va nous rendre capables d'avoir une vie similaire, il a dit, comme celle de Jésus. Amen. Quand on a craché son visage, il a dit quoi? Père, tu l'es. Non. Ah, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il s'est moqué, il dit, oh, quoi qu'on ne sait pas ce qu'on fait, on te tue. Bien-aimé, laissons-nous conduire par le Seigneur. Et mon bien-aimé, quand il prêchait tout à l'heure, il a dit, c'est une prédication qu'il a donnée. Que Dieu crée lui-même l'harmonie divine en nous. Amen. Qui a entendu ça? Amen. Moi, on ne va pas se lever, qu'on va aller, puis on va en écouter les messages. Mais notre vie, et que Dieu nous rende humbles. Amen. Humbles. Amen. Si on n'est pas humble, on ne peut pas accepter de pardonner. Ah, il a fait ça, et puis j'ai dit, non, là, je ne veux pas. Parce que j'ai un moi. Hein? Mon moi. Celui-là, tu vas lui pardonner ce qu'il a fait là. Voilà le raisonnement humain. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Que Dieu ait pitié de moi. Amen. Que le pardon commence en moi d'abord. Amen. Et puis ensuite dans l'église. Avec les autres qui sont là-bas. Amen. Comment va se faire, c'est pas. Mais il faut que ça se fasse. Amen. Qui veut que ça se fasse? Amen. Faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Mais comment? Est-ce que j'ai la force? Je n'ai pas de force.
Donc je vois à la maison, on est passé un temps à dormir. Prions. Pour que le pardon soit réel. La réconciliation soit réelle. Quand je vois un frère, bon, il dit à m'ajouter avant, donc il parle. Non. Quand il voit un frère, il doit pouvoir l'embrasser. C'est un frère. Et quand les frères nous appellent du Canada, merci pour le mariage de ma fille. C'est une parenthèse. Frère Israël a envoyé de l'argent depuis là-bas. Et puis tu vas dans le niveau de ta soeur, Suzanne. Elle a envoyé de l'argent aussi. Une fausse somme. Et quand Maï partait, elle m'a dit, papa, il faut réinvestir ces gens. J'ai appelé, mais frère Israël, il est appelé. Vous voyez comment les gens, voyez comment Dieu veut nous unir. Amen. Notre joie, l'argent de ton frère est ta joie. Amen. Son malheur est ton malheur. Amen. Mais il faut l'amour vrai. Et c'est Dieu qui produit ça. Amen. Sinon, un semblant d'amour là, que nous avons là, que j'ai, n'est pas suffisant. Moi, je pleure. Vous savez, il y a des gens qui, eux, ils n'ont pas, ils se préparent pas pour être enlevés. Hein. Mais nous qui nous disons que nous préparons là, s'ils ne sont pas enlevés, ce serait plus grave. Est-ce qu'on comprend un peu? Qui comprend? Nous devons beaucoup prier. D'accord? Dieu qui est capable de tout faire. Amen. Tout. Amen. Réunir cette église qui est là-bas et nous. Amen. Régler tous les problèmes des familles. Amen. Dieu est capable. Hein? Mais nous devons prendre part. Amen. Parce que Dieu, le frère Franck a dit la dernière fois. Parce que lui-même, il dit, on ne dit pas frère Franck, mais lui, il dit frère Franck, moi, il dit frère Franck aussi. Il a dit la dernière fois, Dieu est un grand feu. Mais il faut des charbons. Amen. Qui comprend cela? Pour que le feu vienne, il faut du charbon. Oui. Il faut du bois. Oui. Et c'est nous. Amen. C'est nous qui devons, on doit participer à ce travail-là. On ne peut pas parler d'amour si je ne sais même pas comment s'appelle mon frère à côté. Oh, lui, mais j'ai, quand il vient, le premier prend la place. Quelle place tu as? Moi, je n'ai pas de place ici. Ma place est là-bas. Amen. Si Dieu me fait grâce, amen, que j'y arrive, je serai heureux. Amen. On est d'accord? Amen. Voilà Jésus, Pierre, le disciple à qui Dieu a confié. Jésus a confié, comment dirais-je? Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et voilà lui qui dit, ah Seigneur, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Mais ça, c'est dans la Bible. C'est la parole créatrice. Si on dit à quelqu'un, tu es maudit, tu seras maudit. Et c'est pourquoi il ne faut pas le dire. Qui est-ce que je dis? Amen. Ne dites jamais à quelqu'un, toi tu seras maudit. Bénissez toujours. Amen. J'ai parlé avec quelqu'un hier chez moi à la maison. Bon, il y en a qui insultent. Celui qui insulte n'a qu'à insulter. C'est son ministère. Mais moi, mon ministère est de bénir. Mais aussi toi tu insultes, moi j'insulte, on est sur le même plan. Qui comprend cela? Si tu insultes quelqu'un, parce qu'il t'a insulté, vous êtes les mêmes. Et il n'y a pas de place pour les insulter au ciel. C'est écrit. Donc soyons remplis de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Nous avons été justifiés, nous devons être sanctifiés. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur.
Qui sanctifie? C'est Dieu. Jean 17, 17. Dit c'est pas ça. C'est pas parce que je dis au moins je suis sanctifié, ça ne suffit pas. Mais on doit voir positivement ce que tu fais. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Frère Mathias, est-ce qu'un saint garde rancune? Non. Non. Ça n'a pas de place. Un saint. Ça veut dire qu'il est propre, il est réprochable. Mais quand on soit réprochable, il faut que nous soyons purifiés. Hein? On a été justifié cadeau. C'est pas vrai? Oui. Il a été fait péché pour nous. Pour que nous devions à lui, justice de Dieu. Quand Jésus est mort, toi et moi, on n'a plus de péché. Amen. C'est pas vrai? Amen. C'est cadeau. Mais la sanctification, c'est lui qui l'a fait aussi. Mais nous devons désirer. Nous devons insérer la parole. Et puis, elle nous sanctifie. Quand elle est entre nous, elle nous sanctifie. Alors on peut pardonner. Et puis ça s'arrête pas là. Il envoie le feu de cet esprit. Mais il faut qu'il y ait du bois. S'ils sont pas, si on ne se constitue pas comme des, qu'on appelle, des charbons, le feu ne viendra pas. On va venir ici dans le message, ici, là, 30 ans, 40 ans, ça ne veut rien dire. Mais tu as eu quoi? Après 40 ans, tu as eu quoi? Tu es rancunier. Tu es rancunier. Tu es un mauvais témoin dans ton quartier. On vient. Et celui-là, c'est un chrétien. Quand on pose une question comme ça, les païens posent une question comme ça, c'est que tu, ça ne va pas. Je vais revenir là. Il faut lire Apocalypse chapitre 7, où il est dit, ils l'ont vaincu par leur témoignage. Apocalypse 11 ou 7, où il y a eu un grand combat au ciel. Vous avez plus de mémoire que moi. Qui suis-je que je suis en train de dire? Lève la main. Nous allons, on va finir là. Mettons-nous à prier vraiment. Que Dieu ait pitié de nous. De moi qui vous parle, priez pour moi. Nous avons besoin, on veut aller ensemble. Alléluia. Mais si nous restons dans les rancunes, il a fait ça, moi aussi il fait ça, mais on est des païens. C'est vrai ou c'est faux? Même à la maison, dans la même maison. Amen. On peut dire beaucoup de choses. Allons-y, frère. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. On doit avoir un témoignage vainqueur. Et ici, ils ont vaincu le diable. Le diable, quel est son travail? Il vient pour éloigner les gens de Dieu. Il vient pour séparer. Il vient pour détruire. Quand vous êtes d'accord, le diable va venir dire, comment à vous, quoi, tu verras comme ça à vous. Mais comment, est-ce qu'il peut poser ces questions? Frère Mathias, est-ce qu'il doit poser ces questions? Pourquoi? Il dit, à vous, pourquoi tu me regardes? Oui, mais parce que si je ne le regarde pas, je ne vais pas le voir. Ça veut dire que s'il me regarde, ce n'est pas forcément méchant. Non, mais s'il me regarde, c'est que moi aussi je le regarde. Oui, s'il me regarde, voilà, c'est que je le regarde. Depuis là, il me regarde comme ça. Pourquoi tu veux poser une question comme ça? Hein, lui, là, il me regarde mal. Pourquoi?
L'ennemi, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Je n'ai pas entendu ça ici. Amen. Non, l'amour là, qui pardonne est une puissance qui libère celui qui pardonne. Amen. Toi, tu as pardonné, tu es libre. C'est vrai. Ah oui, quand tu dis, oh, bonjour mon frère, tiens. Mon bien-aimé, bonjour. Lui, il n'est pas d'accord, mais tu es bonjour. Pour toi, dans ton cœur, il ne doit plus rien avoir. On doit arriver là. Mais on n'en est pas capable aujourd'hui. Priez pour moi. Je veux plus voir ce qui se passe là. Hein. Que Dieu nous aide à faire la parole de Dieu soit une réalité divine dans notre cœur. Et pratique. On est d'accord? Que ce soit pratique. On parle d'unité et il y a des églises ici. Ça fait mal au cœur. Que Dieu nous rend capable de pardonner, de faire la réconciliation. Mais si on ne pardonne pas, nous-mêmes, nos prières ne seront pas exaucées d'abord pour commencer. Allons-y dans Marc 11, là. Vous allez voir. Marc 11, à partir du verset 20. Bon, mais nous sommes au verset 22. Allons-y. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Mais une foi sans le pardon n'est pas la foi que Dieu veut. La foi qui vient de la parole, elle demande le pardon. Sinon, la foi ne peut rien faire. Hein? Vous allez voir à la fin. Allons-y. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas, non, il ne doute point en son cœur. Mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis. Attends, hein. Vous savez, très souvent, on doute parce qu'on a un problème. Quelqu'un m'a fait quelque chose, il n'a pas pardonné. Est-ce que, Seigneur, est-ce que vraiment tu vas m'écouter? Moi-même, je m'accuse. Donc, est-ce que tu vas me pardonner? Tu as déjà échoué? Il faut libérer ton cœur d'abord. Amen. Libère ton cœur d'abord. Alors Dieu va t'exaucer. Ce que Jésus a fait là, c'est un enseignement qu'il nous donne. On doit tirer une conséquence heureuse. Que nous soyons capables, nous aussi, de dire telle chose et sa chose va s'accomplir. Amen. Mais on ne pourra pas le faire. On ne peut pas le faire si on ne vit pas la parole de Dieu. On peut vivre la parole de Dieu si on n'est pas rempli du feu du Saint-Esprit. Allons-y. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Allez, attends-toi. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Amen. Qui n'a rien contre quelqu'un ici? Non, non. Il ne faut pas lever la main comme ça. Hein? Je ne vais même pas le dire. Je ne vais pas vous les faire pécher. Il y en a qui vont lever la main. Alors que Jésus, moi, avec sa femme, il y a un problème. Le voisin a fait ceci. Quelqu'un lui a pris de l'argent, il veut que. Vous savez, le méchant emprunte et ne rend pas. Mais si tu empruntes et ne rend pas, il ne faut pas avoir de problème conduit. Aïe. Je viens prendre 1 million à mon frère. S'il ne rend pas, je suis méchant. Mais s'il a quelque chose contre moi, il se met au même niveau que moi. Ah oui. Ah oui, je vois avoir. Si tu l'as vraiment, je vais le mettre en prison, je vais faire ceci. Non. Tu crois qu'on retient ou tu connais si il dit que. Est-ce qu'il n'y a pas des gens sages parmi vous? Hein? Vous traduisez les gens, vos frères en prison, en justice, les uns les autres? Est-ce qu'on doit le faire? Mais il ne faut pas penser que si toi tu ne peux pas le faire, les autres vont te penser. Ils vont te foncer.
Et le diable va poser, alors il a pris des millions, va le mettre en prison. La dernière fois, j'ai demandé à un frère, au coup, quelque part, un juriste, hein, et il m'a dit que tu prends, comment on appelle, quand on prend l'argent de quelqu'un, comment on appelle ça? Hein? Non, c'est pas la dette. Elle dit que tu l'as trompé, tu as pris son argent. L'escroquerie, c'est au moins 5 ans. Ah oui, oui, oui. On va le mettre en tôle. Et toi, tu seras content, à vous. Non. Mais pourquoi? Tu n'as rien fait de mal, c'est ton argent qui... Et toi, il doit avoir ton argent, tu as mis en prison, c'est tout. Les policiers sont là pour là. Voilà comment on raisonne. Oh, toi, chrétien, tu ne dois pas raisonner comme ça. Oh, vous me trouvez bizarre. Hein? Et donc, frère Isaac, on va pas. Non, je ne dis pas ça. Mais que Dieu nous conduise. Amen. Que nous soyons remplis de l'amour divin. Amen. Quand on atteint Dieu, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est pour toi et pour moi qu'il est mort. Allons-y, frère. Reprends. Et lorsque vous êtes debout en train de prier. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Arrête là. Qui était debout tout à l'heure en train de prier? Nous tous. Mais si quelqu'un a fait quelque chose de mal, là où tu es debout, il faut pardonner. Il ne faut pas finir la prière, vu que tu vas aller régler ton compte avec lui là au dehors. Tu agis également comme les autres. Hein? Ah oui? Pardonnez. Pardonnez, ici c'est un conseil et puis ça peut être un ordre. Parce qu'il y a un avertissement qui suit. Dieu nous force pas, nous oblige pas. Mais il dit, voilà, l'avertissement. Allons-y. Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et si on poursuit? Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La conclusion. Il s'agit de quelqu'un qui est en train de prier. Hein? Il a un problème. Il est debout. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Et puis, c'est que peut-être que la personne passe à côté. Et puis, c'est bien. Seigneur, viens à mon secours. Celle-là. Elle va voir. Depuis longtemps, elle me cherche pour elle. On va régler notre problème. Et puis toi, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Tu vas crier à l'heure du jeûne, cadeau. La condition pour toi, c'est de pardonner d'abord. Qui a bien compris? Qui a compris au fond là-bas? Ce n'est pas que Dieu va tout un temps pour rester dans la prière, pour que Dieu nous donne la force. Amen. Parce que nous voulons que nos prières soient exaucées. Amen. Ah oui, oui. Mais pour qu'elles soient exaucées, il faut qu'on pardonne. Amen. Allons-y, mon frère. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion? Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas exaucé. Vous êtes malade, vous priez pour être guéri, mais vous ne serez pas exaucé. Qui est rempli de rancune?
Toi-même, tu n'es pas irréprochable. Tu ne veux pas pardonner, mais toi, tu dois pardonner. Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9. Je ne sais pas si c'est ça, Matthieu 6. Matthieu 6, verset... Combien? 12. Hein, combien? Matthieu 6, verset 12. Verset 12. Et 15. Pardonne-nous. 9, 9, 9. À partir du verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Faisons plus ça. Amen. On peut prier par l'esprit. Dieu permet de prier longtemps, c'est bon. Mais si toi-même, tu n'es pas convaincu de ce que tu dis, tu es rempli de rancune. Il faut prier toute la journée, tu n'iras pas exaucé. Ah oui, oui. Tu n'es pas exaucé? Continuons. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que non. vous le lui demandiez. Qui dit amen à cela? Il n'a pas entendu. Amen. Toi, ma soeur, ton Père sait de quoi tu as besoin. Amen. Mon frère, c'est la même chose. Amen. Tu peux ne pas le dire, hein? Mais lui, il sait de quoi tu as besoin. La condition, c'est le pardon d'abord. Lui, te regarde. Si tu pardonnes, il te donne. Tu ne pardonnes pas, tu ne donnes pas. Et puis, tu vas rester comme ça. Continuons. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sa volonté, c'est quoi? Frère, je vois. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est qu'on pardonne. Voilà. Amen. Il veut que tu pardonnes. C'est quoi, je n'aime pas réciter ça? On se prend les mains comme ça. J'arrive mes mains. Parce que c'est faux. Oui. C'est faux. Le jour que Dieu nous rendra capable, on va se tenir les mains. Amen. Pour ne pas prendre la main de quelqu'un, tu ne t'entends même pas avec lui. La concordance consiste à être d'accord Amen. Avec la parole et entre nous. Pour pardonner. Continuons. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Là aussi, nous devons savoir que il y a des frères qui disent, oh mon frère, je souffre trop. Mais tu manges. Tu manges. C'est vrai qu'il faut. Mais la Bible dit, aspirez à ce qui est humble, Dieu va vous élever. Amen. Il est là, il veut être comme l'autre. Pourquoi tu veux être comme l'autre? Hein? On était ensemble à l'école, j'étais plus intelligent que lui. Maintenant, quand on est sorti, mais où est ton problème? C'est Dieu qui donne. Amen. Et l'auteur de tout don parfait et de toute grâce excellente, c'est lui qui donne. Il faut remercier Dieu pour le succès de ton frère. Amen. Et puis, il va t'accorder ce que tu demandes. Il ne peut pas être là, oui, lui, là, il ne voit rien à l'école maintenant, et c'est lui, il a tout, moi je n'ai rien. Non. Alléluia. Amen. Quand on a le pain de chaque jour, on doit dire merci à Dieu. Amen. 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 Même pas le pain, mais le matin tu te lèves, tu as pu venir ici. Qui a pu venir à l'église ce matin? Qui a pu se déplacer pour venir? Hein? Mais aller à l'hôpital. Aller à la morgue. Vous allez voir des personnes de toutes les générations, même des bébés. Vous allez dire merci Seigneur. Amen. Mais que nous sommes mieux. Amen. Nous sommes meilleurs. Non. C'est qu'on appelle la grâce. Amen. On n'est pas meilleurs. Mais ces enfants sont morts. Les jeunes femmes
tout le monde, les gens qui sont beaux meurent. Moi qui ne suis pas beau, je suis là. C'est la grâce de Dieu. Donc Dieu nous aime. Amen. Continuons. Et bon, on va arrêter. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. C'est vrai? Oh, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Amen. Que Dieu rend cela réel. Amen. Il ne s'agit pas de dire amen. Le amen, c'est la concrétisation. Amen. Moi, je suis enseignant du primaire. Pour que, quand on parle d'une banane, il faut que l'enfant de 4 ans, la maternelle, voit une banane. Ah oui. Il y a la banane, est-ce qu'on mange beaucoup de choses? J'arrive dans ta classe, en tant qu'inspecteur, on parle de banane, mais où est la banane? Hein, comme on a vu à la télévision, non. C'est ce que nous faisons. On apprend des grandes choses. Et puis les petites choses qui sont les clés, on ne peut pas les maîtriser. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Qu'on soit concret. Amen. Que le pardon soit réel. Amen. Qu'il y ait une seule église ici. Si on a pardonné, amen. Que Dieu nous rend capable, les autres et nous, que personne ne vienne pour troubler. Amen. Qui a compris cela? Amen. Si ça te faisait. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous ne pouvons pas écouter ces beaux messages et puis rester comme ça. Non, 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 que Dieu nous rend capable. Amen. Dieu veut des charbons sur lesquels il va mettre le feu. Qui veut ce charbon-là? Amen. Prions le Seigneur. Amen. Prions le Seigneur afin que chacun ne soit pas un obstacle à la réconciliation. Soit un obstacle au pardon. Amen. Un obstacle à ce que Dieu veut faire dans cette église. Amen. 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 C'est pas moi, je ne veux pas. Mais bon. Que Dieu nous aide. Hein. Moi, je ne veux pas maintenant. Qui comprend ce que Dieu m'a dit? Je n'ai pas l'aptitude aujourd'hui. Mon cœur brûle, Seigneur, rends-moi capable. Et celui qui veut t'aider, Dieu l'aide. Amen. Priez beaucoup pour moi. Amen. Je veux dépasser la théorie. Amen. Amen. Alors, on chante ça. Pardonne nos offenses comme nous. Aussi. Ça, on devait dire. Pardonne nos offenses comme si nous aussi. Nous serons conduits et rendus capables de pardonner. Moi, c'est comme ça. Alors, nous pardonnons là. C'est, la réalisation est déjà faite. Mais Dieu, devant Dieu, tout est déjà fait. Amen. On dit amen. Amen. Nous devons entrer dans le plan de Dieu. Amen. Afin que nous puissions être capables de pardonner. Que Dieu soit loué. Et que nous avons un bon voisinage avec nos voisins, on paie par là, blablabla. Et puis on vient à l'église, on parle de pardon, on parle d'amour. Où est l'amour? Commence par toi-même d'abord, dans ta maison. La femme et le mari, la femme, toi, elle doit au salon, il y a parole. Et puis on vient, on parle de pardon. Amen, amen. C'est l'hypocrisie? Nous sommes hypocrites? Que Dieu enlève cet esprit d'hypocrisie. Amen. Que nous soyons baptisés d'un baptême authentique de cet esprit. Amen. Et que ce qu'il enseigne soit réel. Amen. 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 Quand on parle du pardon sans condition, c'est pas facile. Hein? Qui a déjà entendu ça? Un pardon sans condition. Ah! Seigneur. Quand il va dire, Seigneur, aie pitié de moi, donne-moi la force. Amen. Je le veux, mais donne-moi la force. Je ne veux pas le faire aujourd'hui. Donne-moi la force. Amen. D'oublier le passé. Amen. Donne-moi la force d'oublier le passé. Amen. Donne-moi la force. Par contre, le Seigneur en Christ est une nouvelle création.
Lui, moi, c'est pas ça pour nous. Okay. Celui qui est en Christ. Oui, d'accord. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5. Gloire à Dieu. Ça fait mal, non? Voilà. 2 Corinthiens 5, 19. Ouais. On va car non, on va commencer. 17. À partir du verset 17. Verset 16. 16, ok. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus selon de cette manière. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont plus, ce n'est plus dans la connaissance physique, mais ça doit être à l'intérieur de nous. Dans l'esprit, nous devons vraiment être harmonisé. Ça veut dire aussi oui. que cette personne qui me fait du mal, là, oui. je la vois comme quelqu'un que, qui a été sanctifié, puis oui. à Dieu. Amen. Pardonné. Amen. Dieu lui a pardonné aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Oui. Si je dis c'est mon frère, sinon vous ne pas dire frère. Si tu penses que lui, il est un maudit, tu ne pas lui dire frère. Ouais. Ça, c'est vrai. Qui comprend ce que vous en avez dit? Frère, c'est pas un frère, il n'est pas un fils de Dieu. Mais si c'est un fils de Dieu, tu dois le voir comme fils de Dieu. Amen. C'est vrai. Que Christ est mort aussi pour lui. Amen. Lui aussi. Lui aussi. Que son passé est passé. Amen. Prions beaucoup, frère. Il y a des choses essentielles. Nous devons être enlevés, hein. Mais il faut d'abord l'amour parfait. Amen. Seul qui entrera là-bas. Amen. 1 Corinthiens 13 dit, tout périra sauf l'amour. L'amour divin. Tu as sommeil? Il y a le mot Dieu. Dieu va enlever ça. Tu es un chantre. Allons-y, mon frère. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Création. Une nouvelle création. Création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Oui. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Qui est d'accord? Amen. Mais que cela soit pratique. Amen. Ah oui. Ça ne soit pas pratique. Dieu l'a fait. Amen. Mais Dieu doit nous rendre capables de faire aussi. Amen. Priez beaucoup pour moi, j'en ai besoin. Vous ne pouvez pas aller dormir et dire, frère, non, moi je veux ça, mais je ne peux pas. Je vais être honnête, je ne peux pas. Et quand je suis à la maison, je pense et je dis, mais Seigneur, viens à mon secours. Amen. Prions les uns pour les autres, afin que ce que Dieu nous a donné, c'est un ministère de la réconciliation. Et que Dieu lui-même conduit toutes choses. Amen. Amen. Parce que dans cette situation, c'est Dieu qui va conduire pour que ça soit possible. Qui comprend? Amen. Levez la main. Nous allons prier. Hein? Savez-vous, on voit les expériences, on dit, ah, ça là, après, qu'est-ce que ça va devenir? Mais que Dieu lui-même prenne les choses en main. Amen. Qui croit cela? Dieu peut prendre les choses en main et faire sa volonté parfaite. Amen. Nous serons réconciliés à la maison, réconciliés à l'église, réconciliés partout. Amen. Si quelqu'un a quelque chose, on doit aller le voir. S'il ne vient pas, on va le voir. Amen. Tu dis, c'est fini. Bon, mais si il continue, toi tu as fini ta part. Si tu le vois, on ne passe pas. Quand je le vois, il passe. Non, non, non. Que Dieu nous aide. Amen. Dieu aide ceux qui veulent être aidés. Amen. Qui veut être aidé? En tout cas, moi, je vais t'aider. Je vais t'aider. Sinon, je serais resté dans l'église où j'étais.
Si on vient ici, on doit être plus sérieux qu'avant. Ah oui. Nous respecter les uns les autres. Être en accord les uns avec les autres. Dieu soit loué. Ah, vous voyez, tout à l'heure ce qu'on a lu, l'apôtre Paul dit, et tout cela vient de Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de le faire. Qui comprend? Ce n'est pas des choses matérielles pour dire, non, allez, venez. Non. On doit prier le Seigneur. Et que son Esprit Saint vienne nous conduire. Qui a bien compris? Il n'y a pas les mains. C'est lui qui... Tout cela vient de Dieu. Amen. Dieu est capable de nous rendre capables. Amen. On ne peut pas dire, bon, allez, venez. Bon, non, 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 c'est pas ça. Ça, c'est ailleurs qu'on fait ça. Ici, Dieu doit nous rendre capables. Amen. Tout cela vient de Dieu. Lise ce qui précède, frère. Et tout cela vient de Dieu. Non, lui, ce qui précède. Ce qui précède, ok. Ouais. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça, ça vient de Dieu. Oui. Non, qui comprend ça? Je peux dire, moi, je suis une nouvelle création. Mon cœur est rempli de rancune. C'est vrai? Non. Et je suis une nouvelle création? Non. C'est faux. Maintenant, allons-y. Les choses anciennes sont passées. Arrête-toi là. Est-ce que c'est vrai? Quand je me regarde, c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, Dieu peut me rendre capable. Amen. Ce sont des choses importantes. Allez-y. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si quelqu'un est en Christ, pour être en Christ, ça vient de Dieu. N'est-ce pas? Amen. C'est lui qui met sa parole en nous. Et cette parole nous introduit dans lui. Son esprit vient, et puis on est en Christ. Amen. N'est-ce pas? Amen. Bon. Et on devient une nouvelle création. Ça veut dire, avant de faire une vieille création, on avait une vieille nature de querelle, de dispute. Mais dans les Galates, je crois combien? Galates 5, 19. On est encore dedans. On est encore dans Galates 5, 19. Et puis moi, je suis une nouvelle création. Non, c'est pas vrai. Tu dois pleurer encore. Moi, je dois pleurer encore. Il faut connaître toutes les prédications du frère Branham Parker. Toutes les prédications du frère Branham Parker. Ça ne me fera aucun bien si je n'ai pas l'obéissance à la parole. Alléluia. Amen. La foi et l'obéissance vont ensemble. Amen. L'incrédulité et la douleur des enfants ensemble. Bien aimé, excusez-moi. Hein. Qui suit ce que je suis en train de dire? Qui est prêt à prier le Seigneur? Amen. Afin que Dieu ôte tout ce qui est un frein à son évolution spirituelle. Amen. Tout ce qui enlève l'accord, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, avec Dieu, avec son frère. Nous devons prier Dieu afin qu'il nous enlève tout ce qui nous empêche de nous resserrer nos liens. Regardez un peu. On va lire peut-être un passage et puis on arrête. Job 41, que notre frère Mbier nous a donné. On va le lire. J'ai lu ça à la maison. Job 41, quoi, 6. Job 41, verset 6. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre. Ah, doucement.
Alléluia. On doit être là. Relise, s'il te plaît. 6, ok. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme un sceau. Nous voulons avoir cette union-là. Et tout cela vient de Dieu. Amen. Demandons, soyons prêts à accepter ce que Dieu va faire. Amen. À nous. Dans nous d'abord. Que tout cet arsenal de rancune soit vaincu. Amen. Et que nos cœurs soient ouverts, purifiés. Amen. Alors on peut crier. La beauté d'un message évangélique, c'est ça. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Oui. Quand la bonne nouvelle vient, ça doit nous transformer. Amen. Ça nous fait du bien. Amen. Mais si ça nous corrige. On continue. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Alléluia. Oh, j'aime mon frère bien. Ça, c'est pas... Voilà quelqu'un qui a des difficultés, des problèmes de santé. Oh, mais je fais des fois pour ne pas pleurer. Ouais. Il est convaincu que Dieu, ce qu'il dit là, c'est vrai. Amen. Nous, on est là, on peut courir. On est là. Quel message? Le message, c'est pas la théorie, hein. Pas de théorie. C'est une vie. Amen. Et Dieu nous donne cette vie-là. Amen. Je ne parle pas de vous et pas de moi. Qui a bien compris? Amen. Qui a bien compris? Amen. C'est moi-même. Toi aussi, si tu n'as pas de problème, tant mieux. Et l'air ne passerait pas entre eux. Tellement ils sont serrés. Ah. Tellement ils sont serrés. Amen. Ils sont amis. Ils deviennent une seule nature, une seule chair. Amen. Une lame ne peut pas passer, l'air ne peut pas passer. Mais où on trouve ça aujourd'hui? Où? Et mon frère Jean-Claude, tu vois ça aujourd'hui? Non. Nous ne sommes pas encore arrivés là où nous devons, mais demandons au Seigneur de nous permettre d'y arriver. Et on va y arriver si on le veut. Amen. Si on crie à Dieu, il va nous accorder cette force-là. Amen. On ne viendra plus pour être des messagistes. On sera unifiés, réconciliés avec nous-mêmes, entre nous. Amen. On sera une seule. L'application dit quoi avant-hier, dit, mais quelqu'un dit, mais que l'assemblée soit unie. J'ai pleuré. L'assemblée soit unie. Que Dieu soit lui. Allons-y. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Frère Mathias, c'est pas vrai? Oh non. Que Dieu bénisse nos frères bien. Amen. À vous, s'il te plaît, lis cela pour nous. On va s'arrêter là. Hein. Ce sont des frères. Job, chapitre 41, verset 17. Ce sont des frères qui s'embrassent. Ah, amen. Tu peux embrasser quelqu'un qui ne t'aime pas? Non. Quand tu embrasses quelqu'un, c'est ton cœur qui va sur son cœur. Que Dieu nous donne ce cœur. Amen. Allons-y. Se saisissent. Se saisissent. Et il a saisi le frère Mathias ici. Moi aussi, nous devons. Amen. Oui. Demeure inséparable. Amen. On dit amen. Amen. On va se tenir debout. N'allez pas fainéanter. Mettez-vous à prier. Nous avons besoin d'un esprit de prière. Amen.
afin que Dieu rende chacun capable. Tu peux pas serrer quelqu'un sur ton cœur s'il veut te tuer. Mais lui aussi, son cœur doit vider du péché, toi aussi. Et puis on s'embrasse. Que la fumisterie, l'hypocrisie, tout cela nous quitte. Amen. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ça veut dire quoi, demeurent inséparables? Le mot demeurer a dit que ils sont toujours inséparables. Amen. Oh, qu'il est beau. Amen. Et agréable pour des frères d'être ensemble. Amen. Et c'est là que Dieu envoie quoi? Si ça n'existe pas de bénédiction, hein? Pas de bénédiction. On vient à l'église comme les autres. Ne parlons plus des autres, hein? Je ne peux plus entendre parler des catholiques. Non, 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 laissez-les tranquilles. Occupons-nous de nous-mêmes. Amen. Hein? Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Dès que je suis. Je te laisse autre chose. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.